Donc, au vu de tout ce qui a été dit, nous pouvons tout simplement dire qu'à la lecture de ce test, nous avons bel et bien affaire à un mono-hybridisme avec dominance de l'allèle grand S sur l'allèle petit S. Nous avons dit que grand S code pour le phénotype fauvage qu'on a mis plus, autant pour moi, plus, et l'allèle petit S code pour le phénotype W, c'est-à-dire qu'il est responsable de la mutation white lorsqu'il s'exprime. Et lorsque nous avons une idée d'un tel énoncé, peu importe les questions qui seront posées, nous sommes sûrs que les réponses tourneront autour de cette conclusion. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et nous allons passer à l'exemple numéro 2. Exemple 2, nous avons ici un test et peu importe les données qui sont données ici, peu importe la façon dont les données sont agencées, nous allons utiliser le même raisonnement. Alors, ici, nous avons voulu vous donner une image des insectes que sont les drosophiles. Vous allez voir qu'il y a une drosophile aux yeux rouges et une drosophile aux yeux blancs. Et pour ce qui est de la coloration générale du corps, vous voyez qu'elle diffère par la couleur. Bien, nous allons revenir à notre énoncé. On dit, après avoir provoqué des accouplements, c'est-à-dire des rencontres sexuelles, entre une drosophile mâle au corps gris et aux yeux blancs, avec une femelle au corps ébène dont les yeux sont rouges, on obtient une F1 constituée par 426 drosophiles dont le corps est gris et dont les yeux sont rouges. Alors, comme nous avons vu dans l'exemple 1, la première question à se poser, c'est de savoir quels sont les caractères ou les gènes étudiés. Est-ce qu'il y a dominance, par exemple, ou est-ce qu'il y a codominance? Donc, dans ce paragraphe, nous avons le phénotype gris, dont nous avons les drosophiles dont le corps est gris. Nous avons des drosophiles dont le corps est ébène. Donc, ça veut dire que nous pouvons déjà dire, sur le brouillon, hein, soit grand C, le gène qui est responsable ou le caractère, hein, couleur du corps. Donc, nous mentionnons cela au brouillon. Quelque part, on dit yeux blancs et yeux rouges. Donc, yeux rouges là. Alors, ici, nous avons affaire à la coloration des yeux. Si nous avons affaire à la coloration des yeux, ça veut dire qu'on parle encore de la couleur. Donc, je vais marquer ici couleur des yeux. Alors, si on parle seulement de la couleur, il n'est pas prudent de dire rapidement qu'il s'agit d'un mono-hybridisme. Tout simplement, pourquoi? Parce que la couleur ici concerne deux parties différentes de l'individu. Donc, je dis deux caractères différents, deux parties différentes, à savoir le corps et les yeux. Donc, je peux par exemple mettre ici C', la couleur des yeux. Donc, comme il y a deux parties du corps qui sont différentes, au lieu de dire que c'est un mono-hybridisme, je peux déjà mentionner au brouillon qu'il s'agit d'un dihybridisme. Donc, il est important de faire attention. Donc, lorsqu'on s'intéresse à deux parties du corps d'un animal ou d'une plante, là, nous sommes sûrs que nous sommes dans un dihybridisme. Deuxième question, y a-t-il dominance? On dit que lorsqu'on croise cette drosophile, on obtient une première génération F1 constituée par 426 drosophiles dont le corps est gris et dont les yeux sont rouges. Donc, ça veut dire qu'au brouillon, je prends la peine de dire que sur 426 drosophiles obtenus, tous les 426 ont les yeux rouges. Donc, cela signifie que si on calcule le pourcentage, nous avons 100%. Et cette valeur correspond à ce que nous avons dans la fiche d'information. Là, donc, nous pouvons déjà dire, ça c'est un dihybridisme avec dominance, les parents étant de
race pure. Donc, quelque part dans notre brouillon, on précise, pour ne pas oublier, on dit dominance, dominance, virgule, parent homo zygote. Du coup, nous répondons à la question de savoir si les parents de la F1 sont homozygotes ou hétérozygotes. Ensuite, nous allons nous poser la question de savoir, y a-t-il dans cet exercice ou dans cet énoncé des indices qui montrent que l'hérédité est autosomale ou gonosomale? Alors, pour savoir si l'hérédité est autosomale, nous allons nous intéresser à ce premier paragraphe. Ici, nous disons que F1 est constitué par 426 drosophiles, dont il y a les mâles et les femelles, et on voit que tous les drosophiles ont le corps gris et les yeux rouges. Donc à ce niveau, nous pouvons déjà dire que l'hérédité est autosomale. Donc, sur mon brouillon, je peux dire hérédité, hérédité, autosomale. Alors, si l'hérédité est autosomale, ça veut dire que nous avons les allèles, par exemple, grand G parce que nous avons corps gris qui apparaît à la F1, donc grand G ici pour faire l'isoire gris. Donc, nous avons l'allèle grand G qui code donc pour le phénotype corps gris. Nous avons l'allèle petit e parce que gris est dominant sur corps ébène puisque corps ébène n'apparaît pas à la F1. Donc, petit e pour le phénotype corps ébène. Donc voilà les allèles pour le caractère couleur du corps. Toujours brouillon, je fais l'inventaire des allèles pour le caractère coloration des yeux. Nous avons les yeux rouges à la F1, pas des yeux blancs. Donc nous allons marquer grand R, l'allèle responsable du phénotype yeux rouges. Et petit b, l'allèle responsable du phénotype yeux blancs. J'écris déjà comme ceci au brouillon. Ça me permet d'avoir l'inventaire des allèles. Et si l'hérédité est autosomale, ça veut dire que si je mets P pour symboliser les parents de la F1, sachant que nous avons un cas de dihybridisme ici, ça veut dire que si je devais écrire le génotype des parents, nous avons une drosophile dont le corps est gris. Nous avons dit qu'il se homozygote, donc je mets grand G, grand G, ça c'est pour le caractère couleur du corps. Je mets encore les deux barres de chromosomes et j'écris ici yeux rouges, donc yeux blancs, pardon, c'est le mâle, donc yeux blancs, petit b, puisque blanc est récessif. On a une drosophile dont le corps est ébène. Nous avons vu que gris domine, c'est ébène. Donc, dans le génotype de cette femelle, j'écris grand E, petit E. Et devant, comme les yeux sont rouges, donc pour le caractère couleur des yeux, je mets là grand R, grand R. Donc, nous avons là les génotypes des parents de la F1. Donc, lorsque nous regardons un tel croisement, nous voyons ici que les parents sont homozygotes. Donc, d'office, la F1 sera hétérozygote. Je peux déjà m'empresser de faire une interprétation rapide de cet énoncé en anticipant sur les génotypes des individus de la F1. Bien, au brouillon, il y a une petite astuce là pour dégager rapidement les gamètes produits par les individus homozygotes. Sachant qu'il y a la méiose, au brouillon, j'entoure comme ceci pour montrer que voici le premier type de gamètes que ce parent homozygote peut produire et voici le type de gamètes que l'autre parent homozygote peut produire puisque vu que les allèles sont les mêmes, donc ils ne peuvent produire chacun un seul type de gamètes. Donc ça veut dire que si ces gamètes se rencontrent, le génotype de la F1 s'écrira. Donc si je représente ceci pour montrer que c'est le zygote, le génotype de la F1 s'écrira. Donc je mets là F1, je mets grand G et en bas petit e parce que là nous avons les allèles pour le caractère couleur du corps et devant je mets
grand R et petit b pour le caractère couleur des yeux. Donc là, je rappelle que nous sommes embryons, donc je peux déjà anticiper les génotypes de la